Mais alors, voyons ce que j'ai pas encore exploité comme idée marketing pour Gérard. Ma tronche, c'est fait. Ma femme, c'est fait, la pauvre. Mes enfants, c'est fait, exploiteur que je suis. Mon chien, c'est fait aussi, de toute façon, il comprend rien. Les copains, bah, c'est fait, bah, du coup, j'en ai plus. Qu'est-ce que je peux montrer que je n'ai pas encore montré? Je sais! Je sais ce que je peux montrer! Je vais montrer. Fredo, je t'arrête un petit coup là, avant que tu me montres quoi que ce soit, j'ai pas envie de voir ces affaires là, moi. Hein, attention, mon petit Fredo. Salut Fredo, c'est Gérard, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va? Correct. Bonhomme, je sais pas si tu as remarqué, mais il fait une fraîcheur meurtrière en ce moment. Tu as vu ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il fait mari froid. Il fait mari froid, moi je ne comprends pas. Je comprends pas parce qu'un petit coup là, tu sais, un petit coup de soleil dehors, le matin, tu dis oh, il est beau, il est joli, tout ça. Non, maintenant il pleut des cols et en plus il fait froid et tu comprends plus rien. Frélou, je vais même te faire une petite confidence. Quand je vais faire pipi, je sais même pas où est mon counouk. Je ne sais pas où est mon counouk, Fredo, tellement il fait froid. C'est pas normal, ça, cette fraîcheur-là. C'est pas normal, ça aurait dû être illégal. Ça aurait dû être illégal, on aurait dû bannir ça. Il n'a plus le droit de faire frais en bas de 20 degrés. Il faut faire une loi comme ça. Non, je te jure, là, cette fraîcheur-là. Mais attends, je vais même te faire une autre confidence, mon petit Fredo. Je ne sais pas si toi aussi, tu as ces symptômes-là. Du coup, je te pose la question. Parce que. Tellement il fait froid. J'ai deux boutons radio là comme ça. C'est tellement il fait froid. Non, c'est pas normal. C'est pas. Est-ce qu'on est toujours dans un pays tropical? Est-ce qu'on est toujours dans un pays. Tropical? Je te pose la question. Cette fraîcheur-là, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est pas quelque chose qui est normal. Enfin bon, je passe dessus, tu sais, je parle un peu d'autre chose, ça, je parle un peu d'autre sujet, tout ça. Bonhomme, mon petit Fredo, je pourrais enfin prendre le métro pour venir te voir, parce que la cacade du métro s'arrête chez moi à 4 bennes maintenant. Ouais, donc je pourrais enfin venir te voir. Voilà. Oh yes, on fait l'inauguration. Beauté, jolie inauguration, jolie cérémonie, fantastique, fantasmagorique. Mais, zéro social distancing. Alors là, on va entendre la cacade dans 2 semaines encore, là, déjà. Tout le monde est rentré dans ce métro-là. Mais vous autres, c'est maribonne que le métro vienne à 4 bonnes. On est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de tous prendre le métro le jour où ça ouvre. Ce sera la même demain, ce sera la même après-demain, ce sera la même dans un an. Alors, relax, chill, chacun prend son métro à l'heure. Chacun son temps, tout le monde boude dans la cacade du métro, tout le monde fonce sa tête dedans. Alors là, du coup, dans 2 semaines, on va entendre 300 cas de Covid dans la cacade de Maurice. Ah, je te jure, non, c'est pas possible, mon petit Fredo. Alors bon, je vais prendre un petit moment avant de venir te voir, parce que j'ai un petit peu peur quand même avec. Mais oui, avec tous ces couillons qui veulent à tout prix prendre le métro parce que. Ah, regarde, c'est très, 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 très. Oui, c'est un train, mais ce sera là demain aussi. Et après-demain aussi, tu vas juste prendre ça aujourd'hui, mais. Fuck. Pardon, je me suis laissé emporter. Je vais aller faire un petit thé chaud là parce que j'ai mauvais froid. D'accord? Allez, bye bye, Fredo. Ouais, qu'est-ce que tu me disais que tu avais une idée là? Tu m'as dit que tu devais faire de la pub différemment là. Qu'est-ce que c'était quoi? Je t'écoute. Gérard, ça y est, j'ai enfin une idée de coup marketing. Je sais enfin ce que je vais te montrer, ce que j'ai toujours voulu te montrer. Je vais te montrer mon. Gérard, the situation is under control. This is the captain of the insanity unit. Yes, we've apprehended the suspect. La liberté triomphera toujours. Fredo? Fredo?